de la sécurité en Haïti est paniqué et divisé. Ils ont paniqué parce que ça a passé là comme situation dans Matuson également, dans Badelma, à côté que bandit a défouqué business, ça a paniqué. Et Gédéa de retour, même si ils n'ont pas défouqué business, personne n'a pas ouvert. Ouais. Ils n'ont pas ouvert. D'une manière ou d'une autre, ils prennent couteau, ils frappent tout. D'une manière ou d'une autre, ils prennent couteau, et puis ils ont une pratiquement dans la blague parce que. Les différents prêts, quand il y a Camarado, mais il faut mettre le babou à la radio. Ouais. Et génération businessman, génération secteur privé, ça, c'est génération qui est 40 ans aujourd'hui. Et qui part d'accord, que maintenant, toutes, à chaque génération avant le secteur privé, à cette politique en pays, et génération 40 ans, il parle de question politique, dire que je dis à génération avant ce qu'on a fait. Ils ont divisé parce que ils ont. Pas d'accord, parce que je connais que ces générations avant le secteur privé qui m'a examiné l'IA à donner le droit pour créer ça là. Et le gouvernement qui a parlé de l'IA là. Ah bon? Et pour qui ça va paniquer tout? Blanc! Vous avez une question et bien tout? Ah bon? Parce que vous avez les États-Unis d'Amérique, ma bonne bougie, ils ont les États-Unis d'Amérique pas qu'à quitter Haïti décoller. Mais il n'y a aucun Haïti. Le code pour le pas font pas. Donc les grosses situations qui vivent dans le pays, je dis, on prend les États-Unis, faut appeler la terre. Ça qui vient là, tout faut moins que l'Ili avec la question de la Russie. Ah oui. Depuis que la Russie fait déclaration, il dit que le gars est derrière la question de la gang, les États-Unis commencent à bouger l'école. Ils commencent à bouger l'école. Quand il y a les États-Unis, il y a là. Mais bouger quoi, Aloko? Qui ça le fait de concret? Non, attendez, je vais vous donner pour vous devant ma baou. Maintenant, bougez quoi là? Vous voyez que vous avez des nègres qui sont dans le secteur privé, où vous dites que vous avez tout ce qui est confiné à la manifestation. Et puis les États-Unis disent, écoutez, à partir de l'audience, on ne va pas financer manifestation manifestation encore. Ouais. Ouais. Ok, il y a des retours, puis ils ont coupé. Il y a des retours, menacés, puis ils ont même coupé. Ici, c'est madame la petite qui est là-bas. Ok? Et bien, je dis dans le secteur des affaires là, les gens paniquent, parce que le blanc va laver. Question 11 familles que Jovenel Moïse dit pas au courant sur question Zamio. Moi, je dis ça à son maniquette. Ok? Parce que je dis à la, si le président de la République a mis une commission sous pied, et puis commission by un ministre, ok, qui était là, information qu'on a. Ça va gagner. Par rapport à Paris de Jovenel. Il va gagner? Est-ce que là? Ça va gagner. C'est une commission présidentielle, c'est le président qui mettait, il s'est arrêté, il monte la commission. Le premier monde n'a pas rapport, c'est le président. Bien sûr, ok. Mais maintenant, rap connaît ça qu'on est maintenant tout, Marek Maï a arrêté là. Parce que les négociations dans le secteur privé, ok, il n'y a pas de faire un pays, il n'y a pas de faire encore. Il négocie très paniqué, il négocie divisé sur question de sécurité pratiquement dans le grand pays. Information. Information. Hier, tu as maintenant tout. La police débarquait dans la boule 12. Et 5 bandits qui tombaient dans la boule 12. Ça dit là. Aïe aïe aïe. Information. Hier, il y a 5 bandits qui tombaient dans la boule 12. Donc la police attaquait bandits dans la boule 12. Et je dis encore qu'il y a une opération de la police dans la boule 12. Koulia même. Koulia et monsieur, monsieur, paniquez dans la tête à toutes. Maintenant, la question. Est-ce que qu'on y a-t-il appris avec Iso pour renforcer la bulldoze? Non, assurément. Ok. Parce que et même Iso, même je Chris Labgoumé, alors sous des fonds, Labgoumé en bas, Labgoumé en l'air avec Negio, et bien c'est oui, ce qui est la bulldoze et tout. Voilà. Maintenant, on a pris un bon noir, mais mon la bulldoze commence à s'en fichant. Il était fait parce que hier, la police débarquait. Effectivement, il y a 5 bandits qui tombaient dans la bulldoze. Il y en a deux, c'est le chef là. Qui est le bon balle, donc il attend pour nous, ça va passer aujourd'hui, dans le cadre de nouvelles opérations, la police a mené la boule 12 aujourd'hui. Alors, comme ça, qui dit tout, la police a mené une opération tout dans Rémi, dans la zone côté, et 400 Marozo, lui-même tout, il a opéré. Oui, quoi le bouquet? Parce que c'est un problème entre l'élément sans jour, avec un certain sévère. Ok? Et un certain sévère. Sévère là, il y a cette année qui est proche Yon-Yon. Qui c'est tête et Katama Ozoa qui je dis à donc qui est en prison et donc son bataille qui pratiquement entre eux. Même Jean Robinson l'a dit d'aller là, son bataille interne. Okay? Son bataille interne. Et l'homme s'en joue débarqué dans Rémi, et monsieur ramasse le monde, et puis il fait sa boule faire, donc et puis il installe les bases dans Rémi,
et puis lui installé basé donc dans cité Doudoun. Donc dans moment là la police a peine mais comment quoi la bougez chaque jour la police est tiré un nombre de bandits pour la pas parler dans la presse. OK. OK dans pas quand on va aujourd'hui. Dans la capitale là seulement. Seulement. Aïe aïe aïe. 22 foyers de gang dans la capitale là seulement. Ça nous est sous Matisse hein, avec Villa de Jésus. C'est ça. Non, c'est 22 gangs dans la capitale là, 22. Ça nous c'est ça où nous plus connaît. Oui, si c'est pas Villa de Jésus. Mais c'est 22. 22. Ça veut dire que dossier sécurité pays d'Haïti a son gros dossier lié. Ok? Monsieur. La police, dans le moment où on a parlé à là, il faut que je dise que les policiers qui étaient dans l'opération pour bouler le barbecue, ils ont tout pas de promotion et puis ils ont et comment ils ont fait ça? Prime de vie. Ça a barré, reprenez encore. Policiers qui étaient dans l'opération pour bouler le barbecue, ils ont tout pas de promotion et puis ils ont fait barré au prime de risque. Dernière information. Tout policier qui étaient dans l'opération, boule la caille barbecue. Vous savez, les deux policiers de Mounamba. Ouais. Tout policier qui est en opération, boule la caille barbecue, vous va le faire aux promotions et puis vous va le faire aux primes de risque. Alors, mon c'est des images, tout côté, là, côté, il y a des policiers qui chita avec examen, mais comme si t'as dit, t'as bout dans la bataille là, bien entendu, la police pas communiqué et c'est même ça eux-mêmes. Et image ça, yo montré et. Bah là, alors, goumé en raid en bas, Nadelma. José Lexido, information pi raid. Pi raid. Information. La police fait que forcer par des experts. La police fait que forcer par des experts. Non seulement ça. Est-ce que vous voyez que, quand vous êtes dans tout, quel blindé. Journalement, ils achètent l'autre jour là. Peut-être 2 millions coûtés en total. 15 blindés a coûté 2 millions de dollars en total. Là, je dis que ça. Comment blindé? Comment 15 blindés a fait coûter 2 millions de dollars? Il va y blindé même. Mes amis. Jean-Joseph va y blindé même. Parce que 15 blindés a coûté 2 millions de dollars. D'ailleurs, où t'es résultat, le premier test, tu te prends, première fois, tu te prends. Le premier vote est bourré. Ouais, le premier vote est bourré, où t'es résultat. Est-ce qu'on a comment 15 blindés qui a fait coûter 2 millions de dollars? Il va y avoir blindé même. Pas de blindé. Et ne parle de ça, Louko, ici. Hein, comment faire des matériels pour la police? Ce n'est pas des experts de la PNH qui achètent, ou du moins conseillent, ou du moins fait acquisition. C'est des civils. C'est le palais national qui a même fait. Et c'est pour le palais national. Et le président Jovenel Moïse est mal conseillé dans la question de blindé. Parce que comme la fête de bien l'air. Tout le monde a une histoire là, je l'ai déjà. Ouais. Ok? L'argent blindé, 15 blindé, tout le monde a une histoire là, je l'ai déjà. Information pour la rapide. C'est-à-dire, non, monsieur, qu'il y a 11 dizaines de blindé qui ont sorti Montréal dans le cabinet. Sorti là. De tête chargée. Attendez, hein? 11 dizaines de blindé qui ont sorti Montréal. C'est pas ça, et bon bagaille? Dernier niveau. Blindé pour la guerre. Bon bagaille. Avec support américain, mon frère. Bon là. Bon bagaille. Attendez. Quand vous avez là-bas avion. Ah, bon bagaille. Donc ça veut dire, Josué. Mes amis, madame, monsieur, vous m'avez débat, c'est m'avez débat pour nous entendez. Parce que c'est nous qui avons vérité. Pour patience. Ok, j'aime te dire le matin débat pendant ce moment. Donc il faut nous faire un petit sacrifice. Ok? Parce que avec le forcement, la police ça a tenu là qu'on y a là. Je vais marcher sous Iso, je vais marcher sous Granville. Il va marcher sur 4 Marozo, il va marcher sur toutes les gangs qui sont battus dans la capitale. En tout cas, il n'est que d'attendre que la population vraiment de Louko n'est pas capable encore et il y a un bout de souffle parce que, écoutez, il y a des gens qui sont là chaque jour à manger. Et si la bataille est faite, j'en dis, on demande de prendre patience, que vous prenez patience. Et puis la bataille est faite, vous libérez le pays de Mounsao vraiment qui empêche les gens de vivre dans le pays. Louko. Et j'en dis à José Lekidop et bien maintenant, tout si vous conseillez à Bainek par les nationaux. Monsieur Guinantou, le président Jovenel Moïse, font-ils camper soit à faire la route, soit à faire la route.
Priorité à la sécurité. Ok, reste tranquillité pour le président Jovenel Moïse là. C'est ma tête qui définit question de sécurité. Oui, ça c'est son priorité. Attendez, le peuple haïtien, je dis à mon bon menti. Combien de pays bien matin? Le peuple haïtien, combien de temps courant? Combien de temps sans route? Il va vivre? Il va mourir pour ça, ouais. Il va mourir, mais insécurité, même si vous avez un bon, comment la faire acheter? Non, à baguer plus gros conseil, non, de cabaye là, et loukou. Parce que là, parce que dans le moment là, et pas courant, vous préférez que vous nous arrêtez dans le blackout, tu habites avec elle. Et pour voilà. Les gens qui ont été sans courant, vrai, j'en dis, parce qu'ils habitent avec eux, pas mourir, au lieu qu'ils aient perdu la vie, chaque jour, on va couper ça, m'a dit. Très bien. Donc, faut-il qu'on fasse sous Wagan, sous question propagande, et route, qu'on va mettre 4-4, faut-il qu'on fasse sous Wagan, faut-il qu'on fasse sous Wagan, faut-il qu'on fasse sous Wagan, j'en dis, il y a peut-être un défi, question insécurité. Donc, si je me mets à quitter ma obéir, Nous avons quitté le pays en fait. La pays de la Nous avons dit que nous avons dit est-ce que si moun yo wè politique ça compte paysan yo même yo ta remè fait on l'autre politique est-ce qui côté contradiction est là c'est parce que c'est parce que ça vraiment dans tout qui n'est dans le secteur privé pas même mal avec donc de temps en temps dans le secteur privé il y a deux classes il y a deux groupes OK il y a quatre catégories dans le secteur privé OK le secteur privé des affaires il y a quatre groupes il y a quatre catégories. Vos catégories, c'est des conservateurs. OK? Qui est la République du Valier, et puis qui là, on a c'est des conservateurs. OK? Qui ont l'autre catégorie, ça c'est la deuxième catégorie, qui c'est des progressistes. Conservateur, lui-même, il va le pays à changer lui-même. Voilà? Ouais. Mais comme dans le même privilège de du Valier, pour le gagner, qui a fait parler, le pays à changement pas pour lui. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Nouveau monde vit dans le business. Il est confortable. Il n'est pas d'accord. Dans ce temps privé, il y a des conservateurs. Conservateurs, lui-même, il va en faire payer avant, ça c'est à faire intérêt. À faire intérêt famille, à faire intérêt groupe, à faire intérêt classe. Et puis, il y a des progressistes. Des progressistes sont appelés de nègres qui font business dans le secteur privé. Ils ont ouvert business, non? Ils ont invité notre petit nègre classe noire dans le business. Pourquoi nègre ça autour de notre discours, les progressistes du secteur privé? Est-ce que là? Ok. Pourquoi tout nègre ça autour, gros équipe et marchandage, je parle de 9 pays, après vous avez fait de la montée des sons. Les progressistes, vous avez fait avec un pays. Ok? Au contraire, les progressistes du secteur privé, ils ont mis un pays à changer. Et ils ont goûté en ville là-dedans pour faire attacher, malheureusement, jusqu'à présent, vous êtes capable de donner des résultats. Troisième catégorie, c'est les anciens, en fait, côté du conservateur et tout, les anciens, en fait, l'ancienne génération, est-ce que là? Et puis quatrième catégorie, c'est la nouvelle génération. Est-ce que là? Mais la nouvelle génération, il parle pas au même genre avec ancienne génération. Et nouvelle génération, tout aujourd'hui, il n'y a pas oublié, il pifre le peuple à tout. Parce qu'il n'y a pas oublié, ancienne génération, il y en a d'autres qui partent même de faire l'école en Haïti. Ouais. L'ancienne génération. Ça c'est clair. Cela va au sorti côté au sorti, ils viennent là, et puis ils vivent, ils installent. Mais la nouvelle génération, ils étaient Saint-Louis, ils étaient lycée français, ils étaient dans l'école à terre là, avec Tinek. Est-ce que là? Ils ont plus imprégné dans la terre. Donc ils ont plus près peuple à tout que l'ancienne génération. Donc nouvelle génération, eux-mêmes aujourd'hui, ils ont essayé de garder tête face à pays. Et quand pile bagaille que l'ancienne génération de fait. On voit que les nègres de la nouvelle génération, c'est le secteur privé qui n'est pas d'accord avec eux. Et il y en a de eux, c'est à faire question de nous. Parce que dans la nouvelle génération, quand pile qui connaît tout que c'est des nègres de l'ancienne génération qui baillent les âmes dans le pays, qui distribuent les âmes dans le pays. Ok. Ok. Et la nouvelle génération, qu'on y a la plaie, parce que le business a crasé. Par exemple, le business a crasé et il n'y a pas de rapport politique. Est-ce que là? Mais comme c'est plus le business qu'il a fait eux-mêmes. C'est, il y a même fait ça pour le business. Yeah. Maintenant, comme grand-papa était dans la politique, et grand-mère était dans la politique, papa était dans la politique, on a vu ça. Et pour ça, peut-être qu'on s'est dit dans son deuxième fête. Et bon, c'est ça la réalité. Bon, non, bah, non. Et, où connaît que gagné Titoni, c'est Vob. Oui.
Et après que le gouvernement t'es fait guerre avec Dimitri, mettez-le dehors, et Titoni t'es venu parti. Est-ce que Titoni t'es quitté le pays en tout? Bah, je me connais qu'il est retourné. Mais ça passe, hein, il a gardé que Barbecue t'es gon révolte contre Dimitri, et Titoni ses cousins et t'es capable de Dimitri. Et il n'est pas clair, selon le monde qui fait analyse, c'est même bataille, c'est contre la famille Vob. Est-ce que d'après vous, même vous jeune sur ça tout? Non, c'est Titoni. Il faut que vous dites que Titoni, c'est avant lui, il était Vob. Attendez, avant Titoni, il était Vob, il était PHTK, il était Matéli. Ok? Il était Matéli. Il n'a pas de PHTK, mais il était Matéli. Ok? Yeah. Et Titoni, candidat à la présidence, c'est sous garantie présidentielle en début. Ah bon? Maintenant c'est Wilson là, lui-même qui t'a fait interview. Où est Titoni et Dozeni? Et Kaouli? Kaouli, Titoni et Dozeni, Kaouli, ils ont tous tes candidats à la présidence. Même équipe là. C'est de même partie, même équipe là. L'équipe de Martelly. Yeah. Maintenant Wilson là, lui-même, celui qui t'a fait audition, il a fait interview à Negio. Comme nous sommes et notre loi sur le marron qui bon lial, mais il concerne une relation avec Jovenel Moïse, et que Jovenel tout, ou capable, Jovenel tout, et intellectuellement et techniquement, ok, t'es bien préparé que Negio. On a tout le Negio tombé en interview. Est-ce que là? Maintenant, Titoni vient voir parce que Titoni, c'est le ami Dimitri, je dis là, c'est pour Dimitri, donc la question business. Mais magasin Titoni qui barbecue en raille, politiquement le besoin magaï. Parce que au monde qui a regardé, le cas que je dis à ce pouvoir qui veut écraser magasin Titoni parce que Titoni a un rapport avec Dimitri Vob. Parce que toi, comme on est d'accord, c'est pas des choukages, ça, c'est des vols. Mais parallèlement, ça, madame, monsieur, vous n'en avez pas de débat. C'est vérité qui a parlé là. Parce que le jour où on va lever une émission, on va quitter le 20 000. Et il ne dit pas. Ok? Maintenant, politiquement, des choukages, magasin Titoni, il vient paraître, mon capanalyse de tout, il est clair, parce que je ne sais pas ce que je dis. Mes amis, est-ce que nous connaissons que je ne sais pas si très intelligent? Il y a des gens qui ont fait politique, eux même ils ont 86. Donc, si n'importe qui parle de la guerre, il ne peut pas prendre. Non, c'est pas la même époque là. C'est pas la même époque là, monsieur. Comme si on est campé dans la joie sur magasin, et puis après ça, il y a le négocié en bataille. Nous ne pouvons pas connaître. Est-ce que là? Maintenant, des choukages, magasin Titoni, tout le monde clair, ça a fait l'étude politique, ça a fait l'analyse politique, il vient de paraître que c'est Jovenel Moïse qui veut écraser le magasin. Pour plus, question Vob. Alors, il y a une question qui t'a parlé, et puis okay. Bon, Anthony oui, était contre la manifestation contre. Oui, pour question, Dimitri Vob, et que les Tisoni étaient contre les financiers, les manifestations, comme ça. Ok? Mais bien maintenant, tout parallèlement, tout. Par qui a une question de souk à magasin Titoni, il y a une question que Titoni en faillite. Il y a une dette à gauche et à droite, donc magasin de chouquet, juste pour assurer ce qu'il y a, il n'y a pas de zadou. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de zadou. Là, je dis que c'est nous-mêmes qui vous connaissons. Comment on a fait le jugement, ou même capitaine de l'émission à ce débat, pour qu'on compte au commun, non, c'est la gueule. Vérité, là, il y a quand même, il y a un jour, ou bien l'autre. Ah oui. Ok? Pays, il n'y a pas de jour, ou bien. Oui, il y a un jour, ou bien l'autre. Maintenant, pour qui ça, je dis là? La question que nous devons se poser, madame, monsieur. Pour que ça je dis, Américains ont supporté le président Jovenel Moïse. Ils ont courant que y a des nègres du secteur privé qui ont financé gang, que des nègres du secteur privé qui ont fait gang, qui ont fait gang ZAM, que des nègres du secteur privé qui ont trafic ZAM, le trafic munitions. Ils ont courant. Maintenant, la question aujourd'hui, qu'on doit poser pour Josué. Pour que les Américains ne soient pas intervenus. Oui, directement non. Dit bon, voilà. Le signal doit venir d'Haïti. Ma bonne exemple qui clair. Eh bien, madame, monsieur, vous ne m'attendez pas. Le cas du dossier de Dimitri Vop. Pour qui ça d'abord même, Dimitri va extrader là en Haïti là. Et Jovenel Moïse, il va être défi ça pour Dimitri va venir contre la justice là aujourd'hui. Qui s'est passé? Ah les bon? Haïtiens font action. Ils font action contre Dimitri. Il dit ben, moi je m'a cherché, moi je ne l'ai pas eu. Qui sont les Américains fait? Les Américains vont arrêter Dimitri Vob sous base la justice haïtienne qui a cherché. Non. Quand tu avances sur le dégât, lui-même.
Comment Américains et Pierre Martin Dassault fait politique avec Haïti? Comme Dimitri était un dossier immigration qui pas clair, ils vont vite gagner même si c'est en prison pour un jour, sous dossier immigration. Yeah. Est-ce qu'on a? Ouais. Ils étaient même en prison pour un jour, sous dossier immigration, et puis ils ont dit, monsieur, ah, tu gagnes sous bas là, on va descendre Haïti. Mais alors, parallèlement, ils vont vite gagner même si c'est en côté ordonnance sous dossier Dimitri, ils vont me dire non. Qui juge qui a parlé dans le pays là? Et depuis ordonnance a sorti, qu'on a l'État, il ne s'est pas réagi, et puis Américain ne va pas réagir tout. C'est pour montrer, madame, monsieur, c'est ça n'a pas lié à José Lekido. Blanc va gagner la vie de Kabou là. Non, rien. Tout nègre, tout. Ah, tu vas dire là, tout, tu veux que je vienne. On va être parlé, tout clair. Tout nègre, tout nègre. Hier matin, d'abord, nous avons débat. Tout nègre, quoi, blanc. Agit sur eux directement en Haïti, attendez bien, suivez mon regard. Tout nèg goy blanc que Américain prend décision contre eux en Haïti, sous désordre ou bien sous implication dans la question politique en pays, c'est parce que tout c'est vraiment ça Américain. Ouais. Il n'y a pas j'ai appétit pas yo. Il n'y a pas j'ai appétit pas yo. Comment dire? Mais on est qui va Américain? Les États-Unis ne peuvent pas agir avant sans l'autorisation, sans la permission de l'État haïtien. Non, mais parce que son pays a l'ordre lié. Son pays a l'ordre lié. Il n'a pas intervenu n'importe comment. Depuis où il a intervenu, ou en contravention avec eux personnellement. Exactement. Maintenant, question on a que c'est président ou bien Fantou Baye Blanc, ça c'est où même qui veut. Sous le monde pays, c'est où? C'est où? Et blanc pas sort lui-même, sort qui va imbécile qui va prendre. Et Léo Mandéo, Louko, c'est où pour qu'on ait pour Babay? Ou même, voilà, c'est où même qui connaît pour Babay. Léo Mandéo, c'est où qu'on ait pour Babay? Yeah. Que soit avant une bonne pause comme Nadou, en cher, ou on est dans bon gaz blanc, parce qu'on est sous pouvoir, tout ça blanc, et Mandéo dit, yes, Mr. Blanc, blanc peu. Blanpe, mais pas oublié, laisse le pété, blanpe comme avant, non? Non, le pape comme pas avant. D'ailleurs, histoire nous montrer que yo pas jamais comme avec nous, vrai, avec le président, vrai. Du moins, c'est yon servi avec eux pour jouer des intérêts par eux. Très bien. Et hier matin, nous sommes question. Et c'est là encore, moi, je viens de sénateur Jacques Sorel-Jean. Il faut que je dise que l'interview Jacques Sorel-Jean hier matin, ils font carton. Ah oui, ils font gros bruit à travers le monde. Et comment ça le matin? C'est là, je suis d'accord avec le sénateur Jacques Sorel-Jean, que nous-mêmes, c'était positionné dans le matin débat. Et peuple à captain du matin, il va vous dire, écoutez, prochaine élection, il faut voter des gens qui ont caractère. Ouais. Des gens qui gardent des blancs, gênés. Clair. Ok? Moi qui gardent des blancs, gênés. Pour dire non, pas le ça, mes amis. Et blanc, pas de problème avec ça. C'est ça pour nous dire. Oui. Oui. Blanc, pas de problème avec ça. L'on a défendu le pays ou l'on a défendu sauvé. Non. Ok? Et puis, moi qui gardent des blancs, il y a tout. Ouais. En tout cas, monsieur, qui veut la rembouter, nous, qui veut la rembouter. Bon, bagage. Merci à vous. Voilà. On passe à 19 ans. Prudent. Non, il va dans la capitale là. Et sous plage, il va voilà. Et c'est bon, de même que nous gagnons, on t'y parle pour nous le faire. Et avec. Oui. Il paraît que on gon flash là. Ou après le baron? Essayez de le nom back là. Parce que là, on va le passer à l'autre. Alors, nous allons entrer mi balais et nous allons regarder les questions générateur et l'hôpital là te joigne. Qui est-ce qui te voit là? Et puis pour nous regarder, si nous allons parler avec Abel, moi, ingénieur André Gédéon, qui est même fois, et c'est lui là. Nous allons parler avec lui. Nous allons poursuivre. C'était responsable technique. Secteur populaire, tout bas, on a mon web. Moi, j'ai un petit parler ma fait avec Yvon Jérôme. Si vous comprenez, dis-moi pourquoi. Non, fini, là, on m'a donné. Eh bien, ok, j'ai moi là. On va le faire un petit parler avec Yvon Jérôme. Oh, on a un échec. Oh, et bien, mes chèques. Et puis, pour nous, comment question et problème Carrefour, Matissan. Et blocage Mayani, bagay tête chargée, ma parle de bagay tête chargée net, la bagay nous pas tape penser qu'à privé là. Et donc là, nous parlons, nous avons entré sous téléphone Yvon Jérôme, non? Pour nous regarder des questions. Yvon, matin débat entre la caillou, donc Matissan, Mayani, Carrefour, Bisoton, Fontamara, et deux jeudi, côté nous et là, nous c'est
23 juin. Comment le problème évolue? Bon, problème augmenté. Problème augmenté. Pendant que je dis un gros bonjour. Bonjour Loco, pendant ce jour. Bonjour Osaïe. Bonjour Josué, différents auditeurs, auditrices, matin débat. L'école universitaire, ça qui bail consultation gratis. À Zoré qui voulait tendre. Et moi-même, je vous tendre. Félicitez. Mais quand il y a si vous tendez, ça n'a pas aujourd'hui, là, on va prendre. Ah oui. Clair. On... Au clair. Encore une fois, M. Jovenel Moïse, nation à remercier en pile. La nation dira de vous-même ce que personnellement vous offrez aujourd'hui, là, nous-mêmes, surtout dans le Carrefour. Des fois, les Carrefour, dans la situation, la revendique Édouard, en pile, nous, qu'on a critiqué Carrefour, que Carrefour pas qu'à, et bloqué, et 4-5 départements, etc. Ouais. On a dit bloquer les deux-mêmes. Qu'on a mis réalité, hein. Nous-mêmes, dans le Carrefour, là, nous revendiquons de bonnes choses. Ce que de droit. Mais réalité, aujourd'hui, là, et c'est une preuve qui, encore une fois, n'est que ça a eu prouvé que, non seulement, il n'y a pas de dîner de l'extérieur parce qu'il n'y a pas de plan, c'est diversion, il y a fait. Et puis, dans la phase finale, là, là, n'est que vina avec trois bagailles pour souvent y mouer, parce que vous prenez mon pour grimace. Il y a vina avec question référendum, question élection, et puis persistance dans la question électricité. Pendant ce temps, vous connaissez ce bluffé à bluffé, vous connaissez menti à fait. Et après, tout menti qui a au dernier moment, là, dans la dernière intervention, l'article que Joseph fait une dernière intervention concernant devant les Nations Unies. Qui sont